Hey, yep, tout le monde, et bienvenue pour Cities Skyline, épisode 2. Cependant, il y a un petit problème, ce que j'ai eu avec mon PC, vous avez peut-être sans doute dû voir sur Twitter, c'est que j'ai eu un formatage brusque pour essayer de... au niveau de mon 3 Tera, en fait, là où je stocke toutes les vidéos, ainsi que les parties des jeux, et ainsi de suite. J'ai mis environ 12 heures pour avoir récupéré que 80% des fichiers totaux. Et du coup, Cities Skylines est quand même passé dans le coin. Il y a une partie de Minecraft, bon, en tout cas, il y a des choses. Il y a des... Oui, il y a des fichiers. Ouais, c'est ça, il y a des fichiers. Et notamment, vous n'aurez pas aujourd'hui, à l'heure que je diffuse du coup, l'épisode de, comment, de Material Energy Cube, qui sortira aussi avec Pierre. C'est parce que j'ai pas pu le récupérer, donc lui il compte dans les 20% qui manquent. Du coup, comme Monsieur Steam n'arrive pas à me retrouver le fichier en question, du coup on va devoir faire une nouvelle ville. Ce qui est un peu dommage. Parce que j'aurais bien voulu quand même automatique bulldozer. Ouais, alors j'ai rajouté quelques mods qui permettent de me détruire des bâtiments dès qu'ils sont abandonnés. Ah, comme ça direct. Ok, sausage achievement. Ok, c'est pas très grave. Du coup, j'ai mis dans quelques ressources et autres. Voilà, tout simplement. Du coup, on est reparti pour une nouvelle zone, du coup. Ce qui est un peu dommage. On avait eu petite côte de diamant. Cependant, on va peut-être prendre autre chose, du coup, pour la peine. Donc, on va prendre ça. On démarre. Voilà. En tout cas, vous étiez vraiment très très nombreux à me demander que je continue ce let's play. Et franchement, je vous en remercie d'avance parce que ça me... En plus, le jeu me plaît en lui-même. C'est du SimCity en version à ma sauce en fait. Donc c'est plutôt sympa. Alors cependant, je vais devoir enlever des petits trucs parce que ça m'énerve au niveau du gameplay peut-être. Message didacticiel, ouverture de message shipper. Voilà. Alors, du coup, on va reprendre parce que le petit petit moineau là, ça ressemble pas du tout à Twitter. Absolument pas. Alors, ça c'est. Hop. Comment on met la pause? On met la pause comme ça. Voilà. Alors, du coup. Alors, nous avons notre passe là. Je voudrais savoir. Caméra mode libre. Ok. Information de la ville. Ok. C'était pas ça. Je m'en rappelle plus. Où est-ce qu'on trouve? Ah oui, il faut construire une petite route pour avoir les trucs de débloquer. Activer le découpage. Alors, vous avez les routes. Voilà. Je vais du coup tuer tout ça pour voir un petit peu au niveau du vent. Au niveau du vent, principalement. Ah, il y a quand même de la grande puissance là-haut. On pourrait être pas mal. Alors, il me remet tout ça, mais sauf que je ne veux pas. Il y a ici, il y a beaucoup. Au niveau de la zone du vent, il y en a beaucoup ici. Donc, je vais aller mettre. Alors, il y a du 8 quelque part. Il y a du 8 là. Et hop, du 7. Bon, on va mettre le 7. Voilà. Ça, on y reviendra après. Au niveau de l'eau. Oui, je sais, merci. On doit avoir ceci. Voilà. Alors, on a la force de l'eau ici, qui s'écoule par là-bas. Également ici par là-bas. Alors, ici, c'est une de pompe à eau. Donc, du coup, je serais d'accord pour la mettre là.
Cependant, comme il y a... Je ne sais pas si, par exemple, si je mettais un truc d'épuration ici, ça ferait couler ça et pourrait y avoir des restes de pollution ici. Je suis en train de voir si... Bon, en tout cas, je vais mettre la station de pompage là. Et la station d'épuration, bien sûr, je vais la mettre plus loin. Ce qui est tout à fait normal. Hop, pour que ça soit cohérent, on va la mettre là. Voilà. Ensuite, maintenant que nous avons fait ça, je veux faire en sorte que, évidemment, que il y ait une bonne circulation au niveau de la ville. Là, nous avons un petit terrain et bien sûr, on pourra acheter d'autres terrains sur les côtés plus tard. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est 2400, c'est cool, ça fait un mini rond-point, ça peut être pas mal. Ah oui, c'est un petit truc comme ça qui pourrait être pas mal. Faudrait qu'on essaye de le mettre correctement. Voilà, ça pourrait être pas mal comme ça. Un petit mélangeur. Alors, il sera temporaire. Il sera temporaire au niveau de la route. Hop. Donc, ce qui veut dire que on va détruire les deux côtés là. On va lui dire que ça va dans ce sens-là. Alors, par contre, est-ce que je peux faire une route courbée? Comment on peut faire les routes courbées? Route courbée. Route forme libre. On va essayer route forme libre. Ouais, en tout cas, ça marche pas très bien comme je veux. Donc on va faire en sorte que ça fasse comme ça. Hop. Oui, c'est bien ça. Il m'a pris ça comme ça. Et puis on va la mettre comme ça. Allez, hop. Voilà, c'est parfait. Et du coup, ici, on va lui refoutre une voie comme ça et une voie comme ça. Voilà. Bon, c'est assez moche, mais bon, on va dire c'est un bon point. Alors, il s'avère que les routes à sens unique, c'est bien beau pour aller dans un sens comme à d'autres. Mais je voudrais quand même entretenir des petites routes. Alors, entretien 0,19 par semaine. Ouais. Et ça, c'est 32 centimes par semaine. Bon, je préfère 32 centimes personnellement. On va mettre des petites habitations. Alors, comme ici, c'est à sens unique, on va devoir faire... Alors, moi, j'ai envie de le faire à ma façon. Ce qui veut dire que... Voilà. À partir de là, ça va être de la ligne A, quasiment droite. Bon, on va prendre là. Voilà. Ah, là, il va y avoir la zone, évidemment, au niveau de l'éolienne. Bon, c'est pas très grave au pire. Ah, on peut continuer tout ça. Ça pourrait être pas mal, tiens. Hop. On verra pour mettre quelque chose d'autre au bout là-bas. Ah merde, c'est une... Ah mince, je pensais que c'était une double sens ici. Mais non, c'est pas du tout une double sens. Dommage. Au pire des choses. Vu que j'aime bien quand même que ça soit correctement bien fait. Voilà. Bon, c'est un petit peu mouchouillé ici. On va foutre ça comme ça. Et puis on va leur foutre tout droite. Voilà. Comme ça, c'est à double sens. Cependant, ici, il faudrait que je la mette vraiment à double sens aussi. Simple sens. Pour être tranquille. Donc en clair, ils vont faire tout ce tour. Bon, ça va être pas mal. Au niveau du courant, voilà. Au niveau du courant, ça veut dire qu'il y a une bonne zone qu'il ne faut pas toucher. Donc, pour moi, je me mets un doigt sur l'écran.
Pâte de cochon, ça allait penser à autre chose. Oui, les routes, c'est bien beau. Je sais. Ah d'accord. Ah, c'est pas mal comme système aussi avec les carrés. Ça peut être sympa, tiens. Voilà. À partir de là, il va y avoir les maisons. Voilà. Avec le petit coin là-bas qui pourrait être pas mal. On va mettre un petit peu de bâtiment là. Ici, je vais pas trop en mettre. Parce qu'il y a tout simplement, c'est que... Y a, comment? Il y a la... Il y a l'éolienne. Donc je ne veux pas toucher. Hop, on va débloquer tout ça. Voilà. Il va falloir que j'amène du courant. Voire même pas du tout en fait, parce que du coup les bâtiments vont être bon, je vais peut-être juste mettre, merde, ça marche pas. On va attendre qu'elle s'étende. Ah oui, et en plus il faut de l'eau à cela. Il leur faut de l'eau. On va faire quelque chose. Ça c'est une station. Évidemment c'est en dehors de la ville. C'est un peu dommage. Est-ce que je peux au moins les arrêter? Transférer ce bâtiment. Coût de transfert 500. Ah ouais, en plus ça te coûte un transfert quand tu, un coût quand tu les déplaces. Alors hop, ici. Et celui-là, merci de décaler, tac, transférer le bâtiment. Non, en fait, on va le laisser là-haut. En fait, j'aurais dû faire l'inverse, station de pompage ici et écoulement des eaux là. C'est pas très grave, on va juste reprendre ça. On va juste faire ça pour que c'est du courant. Faut juste que je voie où est-ce qu'il marque. Tac. Est-ce qu'il y a du courant s'il passe là? Tac, tac. Ouais, il y a du courant. C'est parfait. Maintenant, il y a une station d'eau ici. Donc, hop. Et vu que... Ouais, on m'a dit que je pouvais tracer comme je voulais. Cependant, moi, j'aime bien la faire en mode un petit peu de l'eau. Donc, c'est-à-dire que je vais tracer sur les routes. Parce que j'aime bien mon côté... comment... Mon petit côté... comment? Mon petit côté plutôt... comment je pourrais dire ça? Maniaque. Maniaque sur ce point-là. Donc, hop. Voilà, c'est relié. Tiens, je vais relier jusque-là. Voilà. Hop, ça c'est fait. Lui, du coup, lui faudra un accès ici, forcément. Donc, hop. Alors, on va le prendre directement depuis là. Ça sera plus simple. Voilà. Voilà. Et on tire une grande ligne droite. Jusque là. Voilà. Comme ça, du coup, bah déjà, il y a toute l'eau qui est disponible. Et nous avons ceci. Cependant, il lui faut également de l'énergie. Ça, je l'avais pas pensé. J'espère que ça va être possible. Normalement, il n'y a pas de souci. On va voir un petit truc. Oh, c'est possible dans l'eau. Oh, c'est pas... c'est magnifique, ça. Voilà. Oui, il y a de l'eau, c'est parfait. Hop, voilà, station d'opération et compteur d'énergie. Bon, ça commence à prendre forme finalement. Et là, c'est en train de construire, donc c'est plutôt bien. J'ai pas accès à ça, j'ai accès à des économies. Hop, oui, je sais, monsieur. Donc, nous sommes à... Ouais, nous avons un revenu... une dépense de 900, un revenu de 182. Donc, c'est pas assez, il va falloir... Ah oui, en plus, ça demande des industries. Effectivement, si je leur mets pas des industries un petit peu, ils vont
vont râler. Cependant, je voudrais bien mettre, ouais, par exemple, des industries ici. Industrie, j'ai dit. Voilà. Ici aussi. Et là. Voilà. J'ai dit là. Voilà, c'est magnifique. Du coup, voilà. Au niveau du réseau énergétique, je pense que ça va pas gêner. On va accélérer un petit peu le processus. Et voilà, vous voyez, ça commence à se remplir tranquillement. On va mettre en vitesse 2, ça me suffit largement. Hop, il est en train de s'améliorer. Cependant, je vais reprendre... je vais sauvegarder. Non, je vais pas sauvegarder, je vais juste augmenter un petit peu le son. Voilà. Ouais, c'est parfait. Donc là, c'est en train de construire. C'est bien, c'est magnifique, c'est beau, c'est propre. Bon, c'est propre, c'est semi-propre, mais... En tout cas, le vent, il tourne par là-bas. Il va vers la droite, là, actuellement, de caméra. Donc c'est plutôt un bon point. Ah, ça construit pas mal. Donc c'est bien. On est encore en solde négatif. Mais on va dire que c'est qu'un début parce qu'on commence à re-augmenter. Donc on est à 500 là. On voit difficilement le ce qui est en rouge. C'est un peu dommage qu'on le voit pas en autre couleur. Ça pourrait être sympa. Ouais, bon, on a ce qu'il faut. Cependant, je voudrais bien rajouter un peu de vert quand même. Alors là, il y a l'éolienne, donc je ne peux pas trop. Je vais rajouter du vert jusqu'ici. Voilà. Donc normalement, ça doit pas poser de problème. Au pire, si ça pose un petit problème, je verrai bien. Normalement, là, ça doit pas poser de problème. Voilà. Voilà. Ouais, vous avez vu, je suis très maniaque, hein. Voilà, en tout cas, il y a de l'eau. Et au niveau énergie, ça doit aller. Hop, on accélère pour qu'il y ait une petite... ah oui, c'est vrai qu'il doit faire tout le tour pour construire, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça commence à construire, c'est plutôt un bon point. J'espère qu'ils vont quand même se mettre à construire ici. Ah, les petites voitures arrivent. Ah, ils se garent là. Et elles avancent. Ah, commence à voir les premières maisons là-bas. Effectivement. Du coup, ils demandent de l'énergie, évidemment. Parce qu'ils sont trop cons pour commencer au début. Du coup, vous êtes un peu chiant. Hein. Ah, je pourrais limite faire ça. Hein. Mode bourrin temporairement. Ouf. Voilà. Déjà au niveau... Hop. Et au niveau des eaux, bah, je suis obligé de rallonger. Voilà. Au niveau des eaux, tranquille. Et au niveau de l'énergie, normalement... Ah, j'ai pas assez. Il faut que je rajoute une éolienne. Ah. Ah, bah j'ai atteint 400. Donc j'ai les impôts, les prêts, les déchets, la santé et l'éducation. Cependant, je vais rajouter ça. Et normalement, je dois avoir assez. Voilà, j'ai assez pour l'instant. Pour l'instant, hein, naturellement. Zone de déchets. Génère des déchets et ordures. Permet de gérer les déchets et ordures. Construirait un site de décharge ou une usine d'incinération. Et j'ai un peu la voix cassée. Ouais, je pourrais la mettre là, tiens. Pouf. En mode YOLO. Hein. Ça coûte combien? Ça coûte 10 000. Ouais, bon, on va la mettre. Hein. Ça peut être bénéfique pour eux. Sachant que je peux la mettre là. Voilà. Ils sont tous contents. C'est parfait. Et un petit truc d'éducation qui coûte 10 000 aussi. Bon, c'est pas plus mal. Cependant, ça sens unique ici. Je vais la mettre ici. Tiens.
Normalement, voilà, ils sont semi-contents. Oui, je sais les routes. Hop. Alors, on va accélérer le processus. Donc, les petites voitures qui se garent sur les côtés, c'est magnifique. Ah, c'est quand même beau. Au moins de près, c'est. À part les petits bugs. Ah non, c'est pas des bugs graphiques. Mais en tout cas. En tout cas, c'est vachement beau. Et ça fait plaisir de voir un jeu comme ça. Les reliefs qui sont pas trop bien, qui sont même. Oh, ça dépend. Ça dépend comment on les juge, mais plutôt ils sont beaux. Hop. Les éboueurs ici. Hein. On peut le suivre. Tac. Alors, ils chargent. J'adore comment ils chargent parce qu'ils s'arrêtent pas. Ils chargent les camions, les trucs qui sont dans. Comment? Oh. Oh. Oh, des éoliennes. Windstar. Évidemment. La station de pompage. C'est bien parce qu'on peut tellement zoomer. C'est magnifique. Hop. C'est quand même beau, hein. Ah oui, on voit bien les piliers dans l'eau. Il y a même le reflet de. Bah, pas le reflet, mais la profondeur. Oh, il est tellement magnifique ce jeu. Hop, et il va là-dedans. Là, actuellement, il y a 6 camions sur 7 en déplacement. Et ici, nous avons les eaux usées. Ah, c'est tellement dégueulasse. Oh, putain, en fait, on dirait de la boue, de la. Comment on pourrait qualifier ça? Pas forcément de la boue, mais plus dégueulasse. Mais n'empêche qu'on dirait que l'eau, elle va par là-bas. Ah, ça, c'est pas très beau, par contre. Parce que nous avons quand même légèrement un truc d'eau ici qui pompe. Station de pompage d'eau, la station de pompage d'eau propre et de rivière et de lac. Ça, en tout cas, ça a l'air de dire que ça va. On peut savoir une qualité de traitement des eaux? Ouais. Eau et eau usée. Eau uniquement et pas d'eau usée, ni d'eau. Ok. Est-ce qu'on peut voir les déchets quand même? Voir un petit peu si ça pollue vraiment l'eau. Bon, ça a l'air de pas trop polluer en fait, donc. Ah, il y a. Comment ça? Il n'y a pas assez d'énergie? Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Hop là. Ah, en plus, ils se mettent en fonction du vent. Pas assez d'argent. Ça coûte combien l'éolienne au fait? 6 000. Ah ouais, quand même. Alors ça commence à avoir de la gueule, hein, on va dire ce qu'il faut. Ça commence à avoir de la gueule quand même, les éoliennes et autres, parce qu'ils se dirigent en fonction du vent. Mais voilà. On peut pas juste enlever la sélection pour. Pour éviter des trucs. Station nucléaire, bah oui. Ouais, juste ça. Ah, il y a une connexion directement. Donc, vous voyez, on peut limite enlever ça maintenant. Voilà. Parce que, en fait, on n'en a pas besoin. Du fait que c'est relié. Hop. Au niveau de l'énergie, vous voyez. Là, c'est interconnecté parce que je mets rien ici. Mais comme c'est connecté là, tout le long, bah, tout ça c'est alimenté. Et j'ai un excédent pour l'instant de 6 mégawatts. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. Ah, il demande des. Comment? Un petit peu de boutique. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. On va mettre ça. On va mettre ce qu'il faut pour messieurs, dames. Ce qui est tout à fait normal. On va peut-être accélérer un peu. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne déjà ensemble pour l'épisode 2, mais en tout cas, ça vous plaît et moi j'en suis plutôt fier. Voilà, j'allais dire content et après j'ai redit aussitôt fier. Voilà.
Alors, du coup, au niveau des revenus, nous sommes à quasiment 2300 et au niveau des dépenses, 1800. Et on ne bouge pas pour l'instant. C'est plutôt un bon point au niveau du revenu, ça veut dire que je commence à avoir un beau potentiel. L'école, j'ai bon. Au niveau des impôts, je vais les augmenter à 10. 10 chacun. On va voir si ça gueule vraiment ou pas. Et au niveau des prêts, on pourrait avoir du 20 000, mais bon, personnellement, là, j'ai pas besoin d'énergie, de comment, pas forcément d'énergie, mais disons que de prêts, de vraiment de prêts, du fait que j'ai actuellement, j'ai pas besoin de prêts. J'ai 5, entre 6 et 5 mégawatts d'excédent, donc ça va, c'est plutôt sympa. Ici, il me dit que fonctionne normalement, pas assez d'employés. Ah, ils ont pas assez d'employés. Ça veut dire qu'ils ont besoin de personnes, ce qui veut dire des bâtiments verts. Bah on va mettre des bâtiments verts. Je suis sûr que je suis obligé après de rajouter de l'énergie parce que je commence à être en manque. Cependant, je peux en rajouter une. Donc, si c'est vraiment le cas, eh ben, hop, on va mettre ce qu'il faut. Oui, pas assez. Ah, nous avons atteint 800 habitants. Nouveau domaine, deux par deux. On peut acheter une parcelle sur les côtés. On a des quartiers, on a de la politique. On peut avoir un deuxième prêt, des spécifications d'usine, de politique, pompiers, police, bâtiment unique, spécialisation forestière, agricole, consommation d'énergie. Ah, consommation d'eau. Ah, je vais. Vous savez quoi? On va mettre. Ça, c'est police, les pompiers. Bâtiment unique. Les quartiers. Voilà. Oui, je sais. Alors, au niveau de la ville. Sachant que c'est de la ville, ça. Je vais mettre un gros rond-point. Un gros rond-point, oui, bien sûr. Un point. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. On va suivre un petit peu la route. Nyon. On s'est très mal. C'est très mal, hein. Ah non, non. Ça, c'est pour enlever, hein, je crois. Ouais. Hop. On va mettre ce qu'il faut. Voilà. On va faire ça correctement. Pour que ça soit bien droit. Je suis un peu maniaque là-dessus. Vous inquiétez pas, c'est sur la seule chose que je suis maniaque. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et là, nous avons. Non. Forestière, non. Voilà. Cependant, j'avais une politique, je ne sais pas comment la faire. Ah oui, c'est ça. Politique. Au niveau d'ici, au niveau de la politique, valeur foncière moyenne 1 euro, 1 simflouze, on va dire, par kilomètre carré. Ok, alors, politique d'énergie, c'est 5 centimes par bâtiment. Au niveau de l'énergie, parce que je veux quand même réduire un petit peu ma consommation d'énergie pour éviter quand même d'engendrer vraiment trop de frais concernant l'énergie. Voilà. Donc là, nous en sommes à 16 MW jusqu'à 26, donc nous avons 10 MW de disponibles. Ah. Ici, c'est abandonné. D'accord. Eh ben, on va t'abandonner la tronche aussi, hein. Hop, voilà. Bon, en tout cas, ça va plutôt bien pour l'instant. Il me redemande maintenant encore des personnes. Donc, alors, on va faire un petit truc. C'est que on va péter un petit peu ici. Alors, désolé pour les bâtiments et autres. Voilà, on va aller jusque là, jusque là. Alors, ils sont pas très contents, ce qui est tout à fait normal, hein. Moi, je leur en voudrais aussi. Je les ai mis dans un sens.
Comment? C'est pour justement leur faire plus court au moment qu'ils veulent foncer un petit peu. Et je vais leur ajouter juste ça. Voilà. Et je vais leur ajouter encore du verre ici et ici. Voilà. Donc au niveau de l'énergie, normalement, ça va se développer petit à petit, ça va se développer. Normalement, 10 mégawatts, je pense en avoir assez. Je ne suis pas sûr, mais je dirais que je pense. Donc ça va être plutôt bien. Et au niveau de l'eau, par contre, là, ça va être un petit peu problématique. Donc on va devoir faire en sorte qu'ils aient de l'eau, les petits. Hop. Voilà. Bon, mais tu vois, même au centre, c'est plutôt correct. Donc, au niveau de l'eau, nous en sommes largement ce qu'il faut. L'avantage au niveau de l'eau, c'est, vous voyez, station de pompage d'à côté, station d'épuration de l'autre. Hop, no problème. Vous êtes tranquille. Je mettrais bien quand même un genre de petit truc comme ça. Ouais, je verrai. C'est pas vraiment forcément intéressant pour l'instant. Au niveau de ceci, ils sont tous faits. Au niveau de là, ça commence à être différent. Au niveau de la santé, il y a ces côtés-là qui sont bien et ce côté-là qui sont pas forcément bien. Donc, on va devoir augmenter un petit peu leur budget. Au niveau d'ici, qui permettront justement. Voilà. Qui vont permettre justement d'agrandir leur territoire. Ambulance en service 0 sur 9. Voilà. C'est au moins pour qu'ils soient en sécurité. Alors, au niveau des criminels, actuellement nous en avons pas. Donc c'est plutôt un point bien. Donc pour l'instant, je vais pas mettre de bâtiment. Ça coûte quand même 12 000 pour le faire. Et au niveau des pompiers, ah, nous en sommes à 1200 personnes. Wow, c'est génial. Intéressant. Donc, décoration bâtimonique de niveau 2, interdiction des animaux de fumier, et nous avons des collèges. Incendie, nous en sommes à 70%. Ah. Il va falloir que je mette quand même un camion de pompiers quelque part. 12 000. Voilà. Normalement, ah, évidemment, il leur faut de l'énergie. On va leur foutre juste l'énergie. On va juste foutre ça. Hein. Voilà. C'est juste pour qu'ils aient l'alimentation avant que ça se construise. Là, tout simplement. Donc, au niveau des pompiers, ça commence à faire leur staff. Le staff. Le staff, non. Leur taf, plutôt. Ah oui, nous avons quand même beaucoup ici. Donc, il va falloir qu'on augmente un petit peu leur budget au niveau des pompiers pour qu'ils puissent quand même faire leur boulot. Voilà, 315, ça va, on va dire que c'est correct. Du coup, messieurs, dames, merci d'avoir en tout cas regardé. Nous, on va se laisser là. J'espère en tout cas que ça vous plaît. J'espère aussi que ça vous plaît bien, en tout cas. Pour moi, ça me plaît beaucoup. Surtout de pouvoir faire ça avec vous. Ça me plaît énormément. Donc, hop, là, hauteur du verger. Donc nous en sommes à 271 14 enfants, beaucoup d'ados, des jeunes adultes, des seniors aucun. Zone commerciale, tranquille, zone résidentielle. Valeur foncière, 4 simplus par mètre carré. Et nous avons la politique de consommation d'énergie. Voilà. Bon allez, sur ce, messieurs, dames, je vais vous laisser. Merci en tout cas de m'avoir regardé. N'hésitez pas, le petit pouce vert. Et nous, on se retrouve pour l'épisode 3 de City Skyline. Allez, sur ce, bisous tout le monde.